L'office burundais des recettes va percevoir dès la fin du mois de juillet les loyers des stands des marchés qui sont dans le patrimoine de l'État en mairie de Bujumbura. Le lancement de ce projet s'est déroulé ce mercredi 26 juillet au marché de Luvumera de la zone de Buyenzi. Les nouveaux contrats entre les locataires et l'auberge ont été signés et les frais de location du stand ont été revus à la hausse. Par exemple, un stand qui se trouve à l'extérieur passe de 100 000 à 600 000 francs beau. C'est très cher, regrette un commerçant. Toucher 400 000 en 6 jours, c'est difficile. Il fallait appliquer une hausse légère pour que nos familles puissent vivre. Selon le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, les marchés seront toujours gérés par la mairie et sa part est de 10% du loyer sur chaque stand pour le fonctionnement. L'auberge, dans ses missions au quotidien, ne fait que collecter de l'argent. Alors, l'argent est ici, l'auberge doit continuer à collecter. Et la mairie, bien sûr, la mairie aura aussi quelque chose à recevoir juste pour l'entretien de ce marché. Les autorités compétentes ont décidé que l'auberge va commencer à donner à la mairie 10% de la recette. L'auberge s'est rendu compte qu'il y a des places où la quasi-totalité des occupants payaient 600 000 francs. Alors, cette partie-là, aujourd'hui, on a décidé que, avec le contrat qui sera signé, qui est en train d'être signé, que tout le monde qui occupe la partie qui avait été visité et dont on avait conclu que le PMA est de 600 000 francs puisse être 600 000 francs pour tout le monde. Alors, il y a d'autres parties où, c'est vrai, la taxation ne devra pas être 600 000. Plutôt, quand on va faire la moyenne, on verra que soit on va payer 400 000, 200 000 ou 300 000 selon les cas. Les agents de l'auberge font le tour des marchés pour faire signer les contrats de l'auberge aux commerçants.